Salut à tous, c'est Lou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Super Mario Bros 3 dans sa version All Stars. On continue du coup dans le troisième monde, avec Mario, le monde aquatique. J'adore les couleurs de ce remake quand même. Elles sont trop jolies. Attention au type. Attention. Ah, ah bon sang. Ah, les bébés Goomba qui t'empêchent de sauter. Oula, attention. Ah. Alors là, clairement, oui. Empêcher de sauter alors qu'il y a l'autre qui t'arrive dessus, c'est pas sympa. Regardez, si j'en prends un. Hop. Ah. Ah. J'ai rebondi. Toudou. Dommage. Bon, bah tiens, on va aller vers ça. On va y retourner après, là. Pick-a-box. Pick-a-box. Fleur de feu. Bon, écoute. J'en ai deux, après tout. Comment on fait apparaître, déjà? Voilà. Voilà. Allez. Ah non, ça rigole plus. Les couleurs sont vraiment tellement jolies. Non. La queue-queue, plutôt? Eh ben la queue-queue, allez. Dépêche-toi. Voilà. Arrête-toi avec tes... petites bestioles. Voilà. Ça suffit les bêtises. Les pièces bleues. Hop. On va vérifier qu'on puisse pas rentrer là-dedans. On peut pas. Ah. Ok, on passe au feu maintenant. Eh bah oui, du coup. Voilà. Pas trop traînassé non plus, hein. Oh non. La qui tue. Oh, 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 oh. Non. Ouf. Ah bah faut savoir ici, on a pas de changer. Ah bah super. Tiens. Yes. On a l'étoile. Très bien. En stock, est-ce que j'ai des marteaux d'ailleurs? Non. Merde. Oh non, je voulais ressortir. Ah, oh, c'est pas grave. Allez, on va faire tous les niveaux évidemment. Bon, c'est complètement inutile ici ça. Attention. Wow. J'ai senti que c'était un peu juste. Mince, j'aurais pas dû la tuer. J'aurais dû prendre sa carapace. Ok. Ça, c'était une grosse révolution de pouvoir tenir les carapaces. Chose que j'avais oublié en refaisant le jeu. Non.
Ah, le piège. Regarde bien que... Allez, tout doux. Voilà. Ouh. Oh bah alors. Pas assez rapide. Champignon. Oui, faisons tous les niveaux quand même. Oh, des spikes. C'est leur première apparition, je crois. Je me souvenais pas du tout de ces décors. Tiens, c'est marrant. Eh oh! C'est ma tête, ça! Hop là. Ouah, ça, ça sent le P, hein. Ça, ça sent le P. Je me comprends. Oh, le bouton P pour transformer en... C'est bizarre qu'il n'y en ait pas, d'ailleurs. Transformer en pièce. Eh! Piège à plouc. Oh! Non! Chut. Attention. Attention! Ah non! En rebondissant. Il m'a fait peur! Sale petite bête. Frère marteau! Oh, y'en a en bas! Non. Tout le monde en haut, allez! Monte-toi aussi. Non! Oui, c'est ça que ça sert, les étoiles, normalement. Allez, jump. Encore. Non! Yes! Voilà. Ah, bah voilà! On va le garder pour l'instant, et puis... Une forteresse. Oh. Forteresse sous-marine. Alors si vous aimez bien les anciens Mario, Super Bros 1, 2, 3, tout ça, World, sachez déjà qu'ils sont tous disponibles en let's play sur ma chaîne, déjà. Il y a aussi Super Mario Bros 35, qu'il faudrait pas oublier. Sorti pour les 35 ans de la licence. Et puis il y a Super Mario Maker 2 dans lequel j'ai trouvé un super monde. Alors, c'est le nom de monde créé par par des joueurs du coup. Très respectueux de... Oh mince, il réapparaît vite fait. Très respectueux de l'origine des Super Mario. Et vraiment on dirait des vrais niveaux de Super Mario. Donc allez voir ça dans Super Maker 2. Je vous invite à aller voir tout ça. On y est déjà. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire cette fois-ci? Oh, il y a des blocs. Mince. Tiens. Voilà, comme ça, t'as pas le temps. Mais j'ai oublié moi entre temps les... Ah mais je l'ai réussi apparemment. Champignon. Étoile. Pièce. Ah bah... Champignon. Ah. Donc 2 et 4. Bon, il y a plein de trucs là. Bon ça je suis nul. Ah, trop tôt.
Melting pot. Ça, ça met nous. Poudou, poudou, poudou. Ah bah tiens. On va retenter, hein. Bon, moi ici. Oh, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça, ouais. Aïe. Ma tête. Pardon. Oh là là. Oh non. Pas le retour de la grosse Bertha. Oh là, oh là. Eh, hey, oh, oh, oh. Cauchemar ce niveau. Ah! C'est tout? Ah! Il a disparu! Ah non! Ah! Purée! Tiens! Voilà. Petit répit. Voilà, on va avancer tant qu'elle est pas là! Je détestais cet ennemi. Tant pis pour les hauts. Attends, piège à plouc, hein. Piège à plouc, attention. Ok. 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 Là, ils vont mettre un ennemi sur la fin, non? Ça va. Pas été trop méchant. Une vie. Oh la brute. Pardon. Mon marteau, c'était là que je devais l'utiliser pour le bateau. Pour pouvoir aller là. Oh la coucouille. J'ai même pas fait attention à la... Oh non. Loup. Et là j'ai plus de marteau. Super. Bravo. Ah, je suis dégoûté. Zéro sens de l'observation, zéro sens des priorités. Non, ça m'interpelle. Ah, je suis dégoûté là. Je peux pas faire mon petit tour en bateau. Pourtant, je l'ai vu tout à l'heure qu'il y avait cette île. Nul, nul. Non. Ah. Je sais pas, je me dis qu'il y a un truc par là. Bah, super. Bah ouais, tu vois. Pas eu le temps de me mettre à l'abri. Non mais là je suis trop dégoûté pour le bateau. Bon attends, je vais autrement. Toi. Non. Oh, décidément. Quand ça veut pas, ça veut pas.
Ok, eh ben on ira pas, voilà. Oh mais arrêtez trop d'explosifs dans ce niveau. Attends, je me méfie. Allez là, attrape-le. Voilà, tu vois. Et puis après, il allait partir devant, droit devant, dans le vide et tout. Je vais pas me la faire. Oh là, oh là non. C'est pas possible. Bouletto. Oh. Ah bah oui. Niveau aquatique. Je vais dans l'autre sens, je sais pas pourquoi, j'ai un instinct. Il faut tout explorer. Ça c'était juste pour arriver plus tôt en fait au niveau aquatique. Ou alors la sortie est par là? Ah bah non! Il y avait un gros bloc! Il y avait quoi dans le gros bloc? Bon t'as pas non plus 400 heures pour... pour faire le niveau, donc tu vas un peu te speeder, mon petit Mario. Une pile aux fesses. Allez. Je suis pas sûr de pouvoir y aller. Hein. Ah, si. Oh, trop bien. Attends. Voilà. Tout ce qu'on voulait. Bon, il attaque pas sous l'eau, malheureusement. Mais il se déplace beaucoup mieux. Oh non, mais non. Oh, je suis dégoûté là. Ah. En kikinant. C'est marrant, c'est que dans le Mario Bros Wonder par exemple, disponible en let's play complet sur ma chaîne lui aussi, on peut sauter sur les ennemis aquatiques. Chose que l'on ne pouvait pas faire à l'époque. Hop là. Eh ben nous voilà au château. Il y a vraiment des trucs à visiter hein. En bateau. Je me sens triste. Oh, il s'est transformé en méchant de Super Mario World. Les dino-rhino là. Oh non, c'est terrible, le roi a été transformé. Trouvez la baguette magique pour pouvoir lui rendre sa forme originelle. Et c'est reparti. Ah, le coup du marteau, j'ai vraiment foiré. Hein. Ça se trouve, il y avait un niveau bonus et tout. Enfin, genre un niveau... un stage, quoi. Quelle tristesse. Oh non! Hop là. Non! Oh, je l'ai senti. Plus vite que ça. Plus vite, plus vite, plus vite.
J'ai eu peur. Pas un petit bug caché, non, par hasard. Oh, c'est Wendy! Voilà, relou. Avec ses petites chaussures et son gros neuneu. Ah, relou. Tiens, il y a vraiment des trucs à explorer avec le bateau, je suis trop triste. Bien faire attention au marteau, du coup. Je retiendrai la leçon. Pêche-té. Ok, ouh. Bon. Oh! J'ai tombé. Oh. On peut pas dire que ce soit très dur non plus, en plus. Donc elle va ajouter des petits cerceaux à chaque fois là. Et apparemment je me fais une spécialité de choper le deuxième. Je pense que l'invincibilité allait durer plus longtemps que j'allais pouvoir lui passer devant. Mais c'est pas grave. Loot est nul. Hein. Parce qu'en plus il est pas très dur le... ni le boss ni le niveau. Mais c'est une blague. Vous sentez le gars qui commence à s'énerver? Je suis en train de gâcher tous mes objets en plus que je récupère. Ah bah oui, là évidemment faut faire le grand tour. Ça bah j'ai beau le voir, du coup je peux plus y aller, donc bravo, bravo, bravo loup. Oh. J'ai plus rien d'objets. Que je fasse de ça en plus. Ah, peut-être que je peux cramer les sales petites crottes là. Tiens, voilà. Ah, mais c'est pas vrai qu'ils reviennent en plus. Ils reviennent vite. Hein. Très bien, bon, on passe pas au-dessus, et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà. Ah. Ça rappelle cet excellent circuit de Mario Kart DS, inspiré justement des bateaux forteresses. Lancer son machin. Voilà. Ciao Josiane. Très bien. Il a un peu la tête à Mario. Oh, les cieux soient loués. Me revoici dans ma forme normale. Merci beaucoup. Voici une lettre de la princesse. Cher Mario.
Alors, le bloc blanc contient des pouvoirs magiques qui te permettra de comment dire, de débarrasser de tes ennemis. Alors, voici un cadeau qui pourra te protéger, Princesse Totsu. Le quatrième monde, j'ai oublié lequel c'était. En tout cas, j'adore cette musique. Ce serait pas le monde des géants déjà? Ah si! Oh mon dieu, oui! Oh là là, j'adore. C'était mon monde préféré, je sais pas, je le trouvais tellement fou, tellement original. Les coupards ressemblent tellement à rien. Oh là là, c'est génial. Mais regardez-moi ça! Hop. Regardez le Goomba géant! Et évidemment. Sinon, ce serait pas drôle. Non, mais c'est génial! Comment ça s'est passé à travers l'autre? Oh. Et là j'ai pas de saut rodéo pour activer ce bloc. Super. Là, on revient à un monde un peu plus classique. Look. Non mais c'est super. Pas de grosse Bertha, merci. Ok, mince. Yes. Non, 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 non. Super. Merci. Oh là là, un pont à Chip Chip, évidemment. Non, c'est pas la grosse Bertha, c'est ses enfants qui nous embêtent. Eh bien, on récupère un peu d'élite parce que là on a quand même perdu plein bêtement. Pikabox, Pikaboo, Pikaboo, elle. Nul. Oh là! Super. Un frère sumo. Il a déjà sauté! Je pensais qu'il allait le tirer avant. Il est agaçant. Il y a un effet d'écho, c'est marrant. Mince, fais gaffe. Ah. Mais
très bien. Non! Ça bête. Oh non! Sérieusement! J'étais sur sa tête là, il pouvait pas me toucher comme ça. Ma gastro. Tiens. Tiens. C'est tout en plus! Vous êtes sérieux? Oh purée. Oh purée. Non! Je me déteste. Fonce. Ah, je pensais qu'il allait sauter du coup. Allez, c'est bon, on arrête les bêtises là. On a perdu toutes les vies qu'on vient de gagner au truc là. J'avais la couleur de Wario. Ah, il saute évidemment. Sale bête. Tu vois pas le saut qu'il faut faire déjà ici là? Tiens. Je vais mettre un champignon au bord, non? Même pas de champignon du tout, c'est encore pire. Je vais hurler. Mais il est méchant ce niveau. On a plus ça dans les jeux de Mario maintenant. Ils sont pas aussi méchants. Voilà l'astuce. Allez. Rebelote. Tu vois que c'est pas si compliqué. Il faudrait mieux sauter sur le Koopa pour y arriver. Non mais sérieusement quoi. Purée, en plus ils font ça. Là le champignon évidemment. Ils sont complètement zinzin. C'est que le quatrième monde hein. Faut se calmer là. Quoi? Je peux pas leur sauter. Zen. Oh merdouille. Non. Là, tu vois la mort arriver, t'as un marteau sur ta tête. Bon là c'est la honte hein. Ok bon c'est passé, c'est le principal. Ok. C'est fou quand tu compares vraiment avec, bah avec Wonder par exemple, qui est beaucoup plus facile. Sur plein d'aspects. Là, il y avait vraiment des passages du coup. Rien que ce saut, tu vois. Il est plus facile si tu rebondis bien. Mais là, même ça, ça c'est salaud parce que t'as envie de sauter à fond du coup. Mais si tu vas à fond, bah tu tapes le vide. Le fait que les iris, on puisse pas les taper quand ils sont à l'envers, ça aussi c'est dégueulasse. Alors là, vraiment, je pensais pas que j'allais glisser aussi vite. Hein. On va se méfier. Ok. Waouh. Hippie, oh, hippie. Ok. Oh, purée, couillon. Bon, moi, je récupérais une vie, mais je suis à 19, j'étais à 26, quoi. Là, il y a un truc qui va rebondir. Voilà, ça, je m'en souviens. C'est salaud. C'est complètement salaud. Ah, il est un peu tordu ce niveau, hein, franchement. Ouais. Ah. 2-4, on avait dit.
champignons. Ok. Bien sûr. Hey, attention à pas se prendre une flamme sur la tête. Hé hey. Hé hey, j'ai dit. C'est comme les boues, hein. Du coup, les petites flammes là. Champignons, s'il vous plaît, bah oui. Déjà ? Il n'y a même pas de porte, il n'y a rien du tout. Bon, bah très bien, il attend. Il attend là. Il n'y a pas besoin de faire du suspense. Ok. Ça va être un gros. C'est un gros. L'LP, c'est bien ça. Je crois que ce tuyau là à gauche, on va quand même le tester, mais je pense qu'il nous fait revenir au début. C'est juste un raccourci. Oh, je déteste ce mini-jeu. Il n'est pas très grand le monde des géants par rapport au précédent. C'est un petit peu ironique, hein, vu que c'est le monde des géants. C'est ça. C'est un raccourci. Pour quelle raison, je l'ignore. Ah, c'est si tu as un game over. Mais attends, je suis pas sous l'eau, là. Ah, si. Enfin... J'allais dire, pourquoi il y a une musique aquatique alors que je ne suis pas sous l'eau et que le fond est bleu. Mais on est sous l'eau. Voilà, là qui tu nous vois pas, on est dans les profondeurs. Ah bah si. Ah la sale bête. Attention. Bah oui, je m'en doutais. Ah, t'es tellement ralenti sous l'eau. Eh bah au moins, on l'a traversé vite fait. Chance, ouais, c'est si t'as un game over du coup et de refaire les trois premiers niveaux, tu peux passer directement en dessous puisque je crois que les forteresses restent détruites. Quand tu as un game over. On n'est pas encore au point du game over, heureusement. Ah, j'ai le coup maintenant, c'est bon. Starman! Alors... Oh là 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 là. Attends-moi. Non ! Ah bah ça c'est un tout petit boulet par contre. Qu'est-ce qu'il a le rouge ? D'accord. Il est psychopathe. Tête chercheuse.
Ok. Vas-y. Intéressant. Oh, Tanuki! Transformation ultra rare. Alors, le Tanuki, non seulement il a la petite queue du raton, là, comme vous voyez. Attends, je ne vois pas où j'atterris. Mais surtout, il peut se mettre voilà, intangible. Il est invisible, les amis ne peuvent pas l'attaquer. Bon, je pense qu'il y a un sol et que c'est pas trop dangereux, mais je me méfie quand même. Ah, trop bien! Voilà. Ça fait du bien. Comment il danse? Non mais vraiment. Je ne trouve pas le moment auquel il faut appuyer. C'est impossible. Mon cerveau ne veut pas. On va faire attention quand même. Voilà. Petit nuage pour passer les niveaux. Donc c'est le costume du raton, mais en plus mieux. Et depuis, donc Tanuki est revenu dans je ne sais plus quel jeu. Le jeu où tout le monde était déguisé à Tanuki. Mario New Super Mario Land, je sais plus. Il y en a que j'oublie. Je crois qu'il a existé New Super Mario Land. Qu'est-ce que... Ah! Tout est redevenu petit. Ah, c'est drôle. Ça rappelle un petit peu le monde... l'île petit géant. Ah, mais ça, c'est pas très malin. L'île petit géant de Mario 64, évidemment. Ah, ok. Oh non! Tristesse. Je sais pas pourquoi je suis revenu chez les géants, mais bon. Pas qu'il se lance dans le vide, c'est terrible. Ah, sale bête. M'a empêché d'avoir l'étoile. Oh. Oh. Non, j'ai pas été stratégique là. Là, c'est une étoile, je crois. Encore vu. Ok. Voilà, c'est du coup de bol. Hein. Voilà. Ah, je préfère ce mini-jeu là. Pika Box. Ah, je suis dégoûté pour mon costume de Tanuki quoi. Ah bah.
Le revoilà. Mais je le gardais précieusement, lui. Allez, une nouvelle forteresse et après on sera déjà au château. Oh mais il est génial ce Mario, franchement. C'est dur de choisir entre Bros 3 et World. Je crois que je préfère World quand même. Qu'est-ce que... Ça c'est salaud. On va peut-être plus passer au-dessus d'ailleurs. On va tester. Non. Attention. Scolarex là. Ils ont une drôle de tête les Scolarex je trouve dans ce jeu. Ils tombent. Faut pas que ce soit une warp zone, hein. Parce que je veux pas finir dans un autre monde. C'est original ça. Ah non, c'est pour venir directement au boss, je crois. Et là par contre, si je pouvais voler, il y avait un truc par là, clairement. Il y a un secret dans le secret. De retour ici. Ah, ça me rend curieux quand même. J'en ferai pas le niveau, mais j'essaierai de... J'irai voir sur internet ce qu'il y avait là-dedans. Je me souviens pas. Hé hey. Très bien. Petit pont en plus, et voilà. Passer au château. En quoi il est transformé cette fois-ci? Oh, en Donkey Junior. Oh, c'est terrible, le roi a été transformé. La baguette magique, s'il vous plaît. Alors, quel Koopaling allons-nous croiser ici? Pas dans le feu. Oh. Petit perfide. Oula. On sait pas trop hein, si on doit aller en haut ou en bas. Qu'est-ce qu'il m'a risqué? On s'étouffe et tout flamme, hein.
de la fin là. Ah ! Bétasson. Oh, je te confonds toujours. Les Milari, c'est l'un des deux. Voilà. Il est mieux maintenant, hein, celui-là. Ils l'ont refait un petit peu, c'est celui avec les lunettes. C'est Larry, je crois. Lémi, c'est le petit. Il est torse nu ou quoi? Merci, merci. J'ai une lettre de la princesse. La princesse va encore me dire des trucs. Même Toadstool. Le voleur qui a pris le sifflet s'est échappé à l'est des dunes de sable. Oui, donc ça c'est référence au deuxième niveau pour pouvoir péter le rocher du coup tout à droite que je vous ai montré. Oh ! Le monde 5. Avec la tour de Babel à droite. Un monde assez surprenant. Ces ennemis-là, je ne les comprends pas. On les a jamais revus, on sait pas trop à quoi ça ressemble. Ça c'est les chomps, par contre, je connais bien. Un peu risky. Ok, y a rien en dessous. Bah ouais, mais écoute. Tant pis. J'ai testé, j'ai loupé. Ah ! Nipper ! Les scrunch ! En français. Alors il y en a une qui est blanche, une qui est noire. Les scrunch, je crois que c'est les blanches en français. Les nippers, ça va être celles qui bougent pas trop. On pouvait passer en dessous. Scrunch. Jusque là, tout a l'air normal et simple. Ça me rassure pas, je crois que c'est genre le vide de la mort en dessous, hein, mais bon. Je vais pas les tester. Pas lequel je prends de tuyau du coup. Ah bah il se prend pas celui-là de toute façon. Ah non, je pense que j'ai juste pris un raccourci en fait, trop bien. C'était un tuyau d'arrivée, je pense que j'ai voulu prendre en deuxième. Qui fait que tu fais un détour un peu plus long. Dans le niveau. Ah bah écoute. Le talent. Pick-a-box. Ah bah dis donc. Alors là on a le choix entre le 3 ou la forteresse. Peut-être faire le 3. Oh. Niveau souterrain. Niveau scrolling à l'envers. Oh, je crois que c'est celui où il y a la chaussure de Goomba. Kuriboshu. Et c'est le seul niveau dans lequel il y a cet objet. Exactement. Oh, les souvenirs. Et donc... Ah non, voilà, ouais, bah, voilà, je l'ai mal fait. Il fallait le taper par en dessous. Voilà. Objet qui n'était apparu que dans ce Super Mario Bros 3.
Et qui depuis on le revoit de temps en temps. Là, voilà, les nippers. Objet un peu culte en quelque sorte. Hein. Donc qui permet justement à Mario de pouvoir... Alors pas sur les flammes évidemment. C'est un peu con. Mais de marcher sur des pics, des choses comme ça. Objet qu'on perd à la fin du niveau de toute façon. C'est pas vraiment un objet de transformation. Là faut pouvoir le libérer. Attends. Tiens, viens par là plutôt. Faut que j'attrape ça. Ah non, ma tête. Passe au-dessus. Voilà. Hop, les pics, j'ai pas peur avec ma chaussure. Ah, décidément. Bon là on peut courir normalement pour passer les blocs, enfin les vides de un bloc de large. Sauf qu'il te met des vides de deux blocs de large juste derrière. Donc c'est un peu retort. Comme ça on a vu la chaussure de Goomba. Et on va finir par la forteresse. Hop, ah, attention. Alors là, on sent qu'il y a un passage, ouais. Étrange tout ça, mais je peux pas monter. Ah, peut-être avec un... Avec ça. Quoique, non. Je vois pas trop comment je ferais. Ah bah. Juste pour les points. Attention, oh, ils sont rapides dans celui-là. Bon, je profite de l'invincibilité. Oh là là, les salauds. Ça en vrai... Oh. Just, allez. Oh, je sais pas ce qu'il a fait, petite glissade. Et voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode et pour découvrir un peu plus le cinquième monde la fois prochaine. On avance bien quand même. Peut-être faire ça avant. Pas trop. Quoique j'aurais dû le laisser pour... Ouais, je vais oublier après, mais bon. On va tester la chance. Hein. Bon, bah de toute façon, voilà. Allez, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez, vous consultez mes autres let's play. Et puis on se retrouve très vite pour la suite de Super Mario Bros. 3 version All-Stars. Ciao, ciao!